Bonjour, je m'appelle Erika Sozo. Je prépare les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 en 4 barres double mixte. L'engagement physique, mais aussi la qualité technique et de devoir toujours s'améliorer, puisque le geste parfait n'existe pas, on s'en rapproche petit à petit et c'est un travail de longue haleine. Et ben, c'est un programme assez chargé avec des périodes plus ou moins importantes en préparation des échéances de compétition internationale et c'est un entraînement quotidien, donc tous les jours. Oui, c'est une belle revanche sur la vie et c'est aussi de montrer que même en étant en situation de handicap, on peut faire du haut niveau. Un message d'espoir, c'est-à-dire que le handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie, mais pour autant, la vie est belle, on peut faire de belles choses et tout est faisable pourvu que ce soit adapté. Le plus beau spot ? Je dirais que c'est à Montières parce qu'il n'y a pas de virage, il y en a un tout petit, donc on peut vraiment faire de la vitesse. Malgré tout, j'aime beaucoup ramer ici. Le site est très beau, il y a beaucoup de personnes aussi qui passent sur le chemin et on a 8 km finalement serpentés, mais c'est très joli, c'est très agréable. Donc on va travailler plutôt la technique et moins la vitesse sur ce spot ici en tout cas.